الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. الشعبة 39 من شعب الإيمان فصل في التسمية على الطعام. Alors dans le 39e branche de la foi, un petit chapitre au sujet de le fait de manger du halal et de boire du halal. Alors c'est un chapitre au sujet de tasmiya lorsqu'on mange. في الحديث عن عمر بن أبي سلمة قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل فقال جلس يا بني وسمي الله عز وجل وكل بيمينك وكل مما يليك. Alors, Omar, fils de Abi Salama, a rapporté qu'il a dit, je suis rentré chez le prophète, alayhi salatu wassalam, pendant qu'il mangeait. Alors, il m'a dit, assieds-toi. Et puis après, il lui a dit, dis bismillah, sammillah azza wa jal, dis au nom de Dieu, colle, mange par ta main droite et mange de ce qui est devant toi. Hein? Le fait de dire bismillah, de manger par la main droite, et de manger de ce qui est à ton côté, de ne pas aller à droite, à gauche, dans le récipient. يعني المطلوب للإنسان إذا أكل أن يأكل مما يلي. وروى البيهقي رضي الله عنه عن العباس بن الوليد قال أخبرني أبي يعني الوليد قال سمعت الأوزاعي يقول بلغني أنه لا يتم الطعام حتى يكون فيه أربع: يذكر اسم الله عليه حين يوضع، ويحمد الله عليه حين يرفع، وتكثر الأيدي فيه، ويكون مهيئا من طيب. البيهقي a rapporté de l'Abbas fils de l'Walid que son père, c'est-à-dire l'Walid, a dit: j'ai entendu l'Auza'i رضي الله عنه الإمام. Al-Auza'i, c'est parmi les grands imams, il est enterré à Beyrouth et on dit que l'invocation est exaucée à côté de sa tombe. Il a dit que la nourriture, le repas n'est pas parfait, n'est parfait qu'avec quatre choses. Lorsqu'on dit Bismillah au moment qu'on met, c'est-à-dire lorsqu'on veut manger, lorsqu'on veut l'enlever, on dit Alhamdulillah, après que tu termines, tu loues Dieu Azza wa Jal. Et qu'il y aura beaucoup d'aimants lorsqu'on mange, qu'on essaye d'être nombreux ou plusieurs personnes lorsqu'on mange, avoir plusieurs mains, et qu'il soit préparé du halal et que la nourriture soit faite ou préparée de la nourriture par l'argent licite. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. رواه مسلم في الصحيح. عبد الله بن عمر a dit que le messager de Dieu صلى الله عليه وسلم a dit: si l'un de vous a mangé, qu'il mange par la main droite, et s'il boit, et qu'il boit avec la main droite, parce que le shaitan, il mange par le gauche, et s'il boit, il boit avec le gauche. Le hadith rapporté par Muslim. Alors, mimma yalik, hadhihi sunna, tu manges de ce qui est de ton côté, tu ne prends pas à droite ou à gauche, ou ce qui est devant les autres. عن أبي نعيم ووهب بن كيسان قال أتؤتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. النبي تزوج بأم سلمة وأم سلمة كان عندها أولاد فهذا ابن أم سلمة ابن أبي سلمة. Alors, Abu Nu'aym wa Ibn Kaysan a dit qu'on a ramené un repas au prophète, alayhi salat wa salam, et il avait avec lui le fils de son épouse, Umm Salama, parce que, comme vous connaissez, Umm Salama était mariée avec un compagnon qui s'appelait Abu Salama, et qu'il avait plusieurs enfants de Abu Salama. Alors, il avait avec lui le fils de son épouse. Alors, Sayyidina Muhammad, alayhi salat wa salam, il a dit à ce jeune garçon qui s'appelle Omar,
dis bismillah, mange par la main droite, mange de ce qui est devant toi et mange de ce qui est devant toi. لما بكون واحد معه ناس بده يكون بها يعمل بالسنة وإذا نظر أن عنده مثلا كثير من اللحم أو كثير مما هو يعني يشتهى والآخر قد ما يكون هو يوزع ليس أن تضرب ما عند الآخرين فتأخذه إليك. Alors si la personne on dit il mange devant lui, supposons que toi tu étais de ton côté il y a des bons morceaux de viande, de l'autre côté il n'y a pas, alors c'est à toi de faire participer et donner. Mais supposons, il n'y a pas des bons, devant toi, il n'y a pas des bons morceaux. De l'autre côté, il y a. Tu ne touches pas aux bons morceaux qui est devant les autres. Si eux, ils ont pris et ils ont fait, mashallah, ils ont fait le partage et ils ont pris pitié de toi. Mais que toi, tu prends et tu ramasses, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Moi, une fois, dans le mois de Ramadan, une personne qui, on dirait, il n'a jamais vu, il a ramassé tout ce qui est dans l'assiette de 8 personnes, il a pris ce qui est au-dessus et il a mis dans son assiette. Alors là, moi, j'ai pas laissé, j'ai pas laissé. Seulement, j'ai raté une chose, qu'il fallait prendre l'assiette et donner à quelqu'un d'autre, j'ai pas fait. Mais, je lui ai dit, ça se fait pas dans l'islam. Il faut penser à tes frères. Comment tu as pris ce qui est devant eux? لا حول ولا قوة إلا بالله. عن وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة أيضا ربيب النبي عليه الصلاة والسلام قال أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فجعلت أخذ من اللحم من حول الصفحة من حول الصحفة القصعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مما يليك رواه البخاري. Alors le même jeune, le fils de Salama qui s'appelle Omar, il a dit une fois, j'étais en train de manger avec le prophète, alayhi salatu wasalam, et alors j'ai commencé à prendre la viande de ce qui est au bout de l'assiette, là, de cette côté et cette côté. Et Sayyidina Muhammad lui a dit, mange de ce qui est devant toi. Mange de ce qui est devant toi. Al-Bukhari a rapporté ce hadith. Maintenant, tu sais que cette sunna, tu as coulé, mimma yalik. وعن عبد الله بن بشر قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة والطعام يومئذ قليل فقال لأهله اطبخوا هذه الشاة وانظروا إلى هذا الدقيق فاخبزوه واثردوا عليه. Un jour on a donné au prophète, on a offert au prophète un mouton et il n'y avait pas assez de nourriture à ce moment. Sayyidina Muhammad a dit égorger le mouton ou cuisiner celle-là et préparer le pain et c'est-à-dire mettez le pain et au-dessus on met la viande avec la sauce avec l'eau. C'est ce qu'on dit al-tharid. Al-tharid, c'est le repas préféré aux Arabes à cette époque-là. C'est le pain, on met un peu de la viande, on met la sauce ou l'eau qu'on a cuit la viande avec. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء أو الغراء يحملها أربعة رجال. Le prophète avait vraiment un grand récipient pour mettre la nourriture, c'est-à-dire il est porté par quatre. Lorsqu'on met à manger, on a besoin de quatre personnes pour la porter. فلما أصبح وسجد الضحى أتي بتلك القصعة والتقوا عليها. Alors le matin, il a fait la prière de Dhuha et on a amené ce grand récipient avec la nourriture qui est dedans. Et ce sont les gens, ils sont venus et il y avait beaucoup de monde. كثر الناس. جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alors le prophète, il fait s'asseoir, il s'est assis la sunna comme vous connaissez en on s'assoit sur le pied gauche et on met le pied droit en haut. فقال عربي ما هذه الجلسة يعني هذه الجلسة السنة c'est comme ça. Tu t'assois sur le pied gauche et tu mets le pied droit comme ça et tu manges comme ça. Et dans la sagesse من الحكمة أن هذه الجلسة تجعل المعدة ضيقة. Elle fait un peu serrer l'estomac. Et comme ça tu manges et tu te sens rassasié plus vite que le fait de s'asseoir de cette manière-là. Tu sais, cette manière-là,
le ventre il est là, et puis tout le long, ça peut être gonflé là. Alors ceux qui aiment manger, ils s'assoient de cette manière-là. Alors c'est pas comme ça qu'on s'assied. Alors l'Arabi, le Bédouin, il a dit, c'est quoi cette manière de s'asseoir? فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. Le prophète a répondu, Allah Ta'ala a fait de moi un esclave honoré et généreux, et il n'a pas fait de moi un homme injuste, orgueilleux. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من جوانبها وذروا ذروتها يبارك فيها. Sayyidina Muhammad a dit, mangez au bord, puisqu'on est autour là, mangez au bord, laissez le plus haut de la de récipient ou ce plat là, laissez là pour que Allah Ta'ala met la baraka dedans. Alors vous mangez au bord. Il faut pas que tu attaques comme ça et tout le parti là, il est devant toi, tu n'as pas attaqué, mais plutôt tu manges doucement. كلوا فوالذي نفسي بيده لا يفتحن عليكم لا يفتحن عليكم أرض فارس والروم حتى يكثر الطعام فلا يذكر اسم الله عليه. Alors Sayyidina Muhammad a dit, mangez, puisqu'on a dit il n'y avait pas assez à manger à ce moment. C'est pour cela Sayyidina Muhammad a dit d'égorger, de faire le pain. Il a invité ses compagnons sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, mangez, je jure par celui qui détient mon âme que vous allez prendre victoire sur les Perses et les Romains et que la nourriture sera on aura en abondance à tel point que on mange et on dit pas bismillah. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils mangent, ils voient la nourriture, ils oublient de dire bismillah. Et Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam قال يفتح عليكم الروم وفارس يكثر الطعام حتى لا يذكر اسم الله عليه, c'est-à-dire il y a beaucoup de pain, beaucoup à manger, et puis après ils seront tellement distraits par ça et ils oublient de dire bismillah. Alors, min as-sunna an na'kul bi thalathat asabi', dans la sunna c'est le fait de manger par trois doigts. عن أبي أبي بن كعب بن مالك عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها. Alors أبي بن كعب fils de Malik de son père a dit que le prophète mangeait avec trois doigts et n'essuyait pas la main avant de sucer ses doigts. إنه بيأكل بالأصابع ثم يلعق تلك الأصابع. Et vous connaissez, il y a le fait d'essuyer l'assiette. Si tu manges dans l'assiette, tu l'essuies par le doigt de la main droite. Tu essuies et tu laisses rien. Par la suite, c'est facile à nettoyer. Et pourquoi faire? Le prophète nous a indiqué que si tu fais ça, le récipient ou l'assiette fait, demande à Allah Ta'ala le pardon pour toi. Deux, tu ne sais pas la baraka, il est où? Trois, c'est facile à nettoyer. Et il y a plusieurs choses. Yani, l'autre fois, pour ouvrir le passoir de la cuisine, le majla, passoir pour l'évier. Des fois, le fait que tu laisses beaucoup de nourriture, ça tombe dans le levier et ça bouche après, n'est-ce pas? Que ce soit graisse ou ça. Alors, pour ouvrir un levier, tu payes combien des fois? 500 francs. Alors, si tu nettoies bien les assiettes et tu ne laisses pas comme ça, tu n'auras pas ce problème. Et regarde parmi les choses. Et c'est la sunna, tu manges avec les doigts. Vous mangez par les mains. Vous, les Marocains, les Africains, vous mangez par les mains. Il a dit oui, parce que vous mangez par les pieds. Oui, mais on mange dans les mains. Toi, tu manges avec quoi? Maintenant, les cuillères. Les cuillères, tu sais que combien de fois tu manges et tu jettes, tu craches parce que tellement chaud, tu brûles la langue et ça peut des fois même casser les dents parce que tu viens de prendre du froid, tu as pris du chaud ou chaud et après tu fais du froid. Elle m'a dit, un dentiste, il m'a dit, les dents c'est comme fissuré à cause de ça. Et là, par la cuillère, tu ne sais pas c'est chaud ou pas chaud, mais par les doigts, il y a déjà la température. C'est chaud, il ne faut pas le toucher, laisse-le un petit peu. Mais par le cuillère, tu ne fais pas attention. Moi, j'ai vu des gens,
Il a avalé, il s'est brûlé la bouche et la gorge du fait qu'il ne savait pas. Alors le fait de manger par les doigts, il y a une sagesse. وعن عبيد الله بن يزيد قال كنا نتعشى مع ابن عباس فرأيته أكل بأصابعه الثلاثة ابن عبيد الله fils de Yazid il a dit on était en train de manger avec Ibn Abbas et je l'ai vu manger avec les trois doigts. وأنا أذكر يعني le Cheikh Abdullah notre Cheikh il mangeait tout le temps avec les trois doigts. Tout le temps avec les trois doigts. عن هلا اذا سقطت لقمه تلمها تنفض عنها الاذى وتكسي il y a une bouchée qui est tombée il y a des gens qui disent ah non c'est le shaitan l'a léché il faut la jeter c'est pas juste une bouchée qui est tombée si c'est pas liquide yani on peut la ramasser et s'il y a un peu de poussière ou un peu tu l'enlèves et tu manges si c'est une chocolat ou un bonbon tu peux laver et la manger tunahil adha c'est-à-dire ce qui était touché comme sable ou quelque chose, et tu la manges. Et ça montre la modestie. Il ne faut pas dire, ah non, je ne la prends pas. قال عليه الصلاة والسلام, إذا سقطت لقمة أحدكم فليمت ما عليها وليأكلها ولا يدعها للشيطان. معنى أنه لا يدعها للشيطان, أنه هذا مال لما تتركه. Si une bouchée est tombée, alors enlève ce qui était touché comme poussière, comme sable, tu la manges, tu ne la laisses pas pour le shaitan. C'est-à-dire, c'est un bien, et si on peut profiter, pourquoi le délaisser, pourquoi le quitter? Alors, les shayatin yakuluna, les diables, ça veut dire que oui, ils mangent, mais quelque chose que nous, on n'aperçoit pas, on ne voit pas comment ils mangent. Et voilà le hadith là que je viens de citer, qu'on lèche les doigts. Jabir a dit, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire, « Inna shaytan yahduru ahadakum inda kulli shay » Le shaytan, il essaye d'être avec toi à chaque chose que tu fais. « Inda kulli shay min shani an yahduru » À chaque chose que lui, il pense que c'est utile pour lui de venir. Que le shaytan, il considère qu'il faut venir pour manipuler, pour user, pour faire de ouswas pour la personne. Yaqul « Hatta yahduru inda ta'amihi » C'est-à-dire le shaytan, il essaye d'être avec toi lorsque tu manges. « Fa'idha saqatat min ahadikun luqma fal yumit ma kana biha min adha thumma yakulha wa la yadaha lil shaytan » Alors il a dit, si l'un a fait tomber une bouchée, qu'il l'enlève, qu'il enlève ce qui était touché comme terre ou tas ou sable, et qu'il la mange, ne la délaisse pas pour le shaitan. فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ Lorsqu'il termine, qu'il lèche ses doigts, les trois avec lesquels a mangé. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فَأَيِّ طَعَامِهِ تَكُونَ الْبَرَكَةِ Il ne sait pas dans quelle partie de sa nourriture aura la baraka rapportée par Muslim. نشوفوا كتير هون من الناس بحط لك الأخدور بحط لك المنديل يا بوكو lorsque tu il te met à manger il te met les papiers وكذا لنسمع ماذا ورد في هذا عن جابر بن عبد الله يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمسح أحدكم يده بالمنديل حتى يلعق يده فإن الرجل لا يدري في أي طعامه يبارك له. Alors, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un de vous n'essuie pas sa main par le papier ou par le tissu jusqu'avant de lécher les doigts. Yani, il termine, il lèche les doigts, par la suite, il veut essuyer ses mains ou laver les mains, parce que la sunna c'est de laver avant et laver après. Tu vois, tu lèches, tu laves et après tu essuies par une serviette. Parce que l'homme ne sait pas dans quel partie de sa nourriture aura la baraka. C'est pour cela même le fait de lécher les doigts, ça peut être ici la baraka pour lui. وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَرْصُدُ لِلنَّاسِ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى عِنْدَ طَعَامِهِمْ وَلَا يَرْفَعُ الْقَصَعَ حَتَّى يَلْعَقُهَا Le shaitan, il est avec vous, même au moment de repas, il essaye de vous faire ouswas ou quelque chose. Alors, et le prophète n'enlève pas l'assiette ou le récipient avant de l'essuyer par la main
et bien sûr le manger et le manger. فإن آخر الطعام فيه بركة et ça a été rapporté ici que la fin de la nourriture vers la fin il y a la بركة. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.